120 000 euros, c'est ce que vous gagnez si vous passez le bac, et ça, et bien souvent, personne ne nous le dit et on n'en a même pas conscience. Alors, la grosse différence, c'est que cet argent ne va pas dans notre poche, il va dans notre tête. On pense souvent que l'école est gratuite, mais en fait, elle n'a que l'illusion d'être gratuite, puisque l'éducation nationale est la première dépense de l'État et que l'État, eh bien, c'est nous qui le finançons de nos impôts, de tout ce que nous payons comme taxes, etc. Donc techniquement, eh bien, l'école, c'est nous qui la payons. Alors à travers cette vidéo, j'aimerais vraiment eh bien, vous faire prendre conscience en fait, de la valeur que l'on investit sur vous. Vous voyez que c'est monumental ce qu'on vous partage. C'est un petit peu comme si chaque élève, chaque fois qu'il va en cours, bah, il gagne 27 euros. Incroyable, incroyable. Mais vu que ça va pas dans notre poche, bah, on ne se rend pas compte de ce qu'on met dans notre tête. Le problème, c'est que quand on pense que c'est gratuit, on ne voit pas la valeur de l'information. On ne voit pas la valeur de ce que l'on nous transmet. Mais l'idée de cette vidéo n'est pas simplement de vous dire bah, « Tiens, c'est ce que vous gagnez si vous passez le bac. » C'est surtout de vous demander « Est-ce que c'est un bon investissement ?» On parle souvent d'éducation nationale, mais l'école n'éduque pas. Elle instruit et je pense que c'est là le véritable problème. Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a énormément d'enjeux. Il y a des crises climatiques, environnementales, sociales, économiques, sanitaires. Il y a des crises de partout qui nous montrent à quel point eh bien, on doit passer d'un modèle basé sur la consommation à un modèle plus basé sur le respect de la vie et l'éducation à celle-ci. Et le réel problème de l'école, s'il y a un problème, eh bien, c'est que l'école favorise la société de consommation aujourd'hui, tout simplement parce que dès qu'on est jeune, on nous apprend qu'il va falloir consommer pour devenir quelqu'un. Vous avez le penseur Ivan Illich qui nous expliquait déjà que eh bien, l'élève est devenu un client et le cours est devenu un produit. L'élève est devenu un client dans le sens où l'école justifie son budget de fonctionnement, hein, et ça se voit, il suffit de faire n'importe quel forum. Et les écoles, si elles sont là, c'est tout simplement parce qu'on justifie des frais de fonctionnement avec les élèves que l'on acquiert. Et de l'autre côté, eh bien, le cours est devenu un produit tout simplement parce que quand on est jeune, on apprend que pour devenir quelqu'un, pour avoir un bon métier, un bon statut, eh bien, il va falloir faire des études. Plus tu vas avoir des bonnes notes, plus tu vas apprendre, donc plus tu vas consommer de cours, plus tu vas devenir quelqu'un. Et on est déjà dans cette démarche du coup, plus tu vas posséder et consommer, plus tu seras reconnu. Et est-ce que le problème ne serait pas là? Pour ceux qui suivent l'aventure de cette chaîne et avec qui j'ai peut-être déjà eu le plaisir d'échanger, eh bien encore une fois, on y revient. L'école est le levier pour aller vers un autre modèle. Seulement, eh bien, on ne peut pas transiter du modèle de la consommation à un autre modèle si l'école elle-même n'évolue pas. Tout simplement parce que la société de demain est à l'image de l'école d'aujourd'hui et que la société d'aujourd'hui est le reflet de l'école d'hier. Et c'est pour ça que le modèle de la consommation s'est démocratisé. Parce que inconsciemment, le jeune a compris que pour devenir quelqu'un, il fallait que je consomme des produits, des cours, etc., etc. Et on est dans une démarche de consommation et pas de sagesse. Et c'est là le vrai problème. Et là où on va mettre un point final dans cette école de la consommation, c'est lors des vœux d'orientation. Tout simplement parce que à cette période-là, où on se demande le plus qui est-ce que l'on est, eh bien, l'école redirige notre quête identitaire vers une quête sociale. Et du coup, pour devenir quelqu'un, on a appris qu'il fallait consommer. Donc, je suis dans la recherche d'identité à travers ma consommation et le statut social que je vais avoir plus tard. Et il n'y a aucune notion de sagesse là-dedans, on est dans de la consommation pure et dure. Le but de cette vidéo, c'est donc surtout de se demander est-ce que ces 120 000 euros ne pourraient pas être investis pour l'école de demain, axée sur la sagesse, la connaissance de soi, la responsabilisation, la découverte de qui on est, plutôt que sur un modèle qui ne marche pas sur le long terme. J'espère à travers vos commentaires que vous allez pouvoir eh bien, me partager qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait mettre dans l'école de demain comme notion, comme matière, comme pratique, à savoir que pour qu'un élève soit pleinement épanoui dans sa scolarité, il faut qu'il soit acteur de son éducation. Si des élèves décrochent actuellement, c'est tout simplement parce que mais ils n'ont pas vu l'amour dans l'apprentissage. Ils ont appris des choses sans vraiment savoir quoi faire, comme s'ils avaient été un vase qu'il avait fallu remplir avec plein de connaissances. Puis une fois qu'ils sont pleins, bah, ils ne savent pas trop quoi faire de tout ça. Donc vraiment, comment on fait pour passer de cette école qui nous met dans une démarche de consommation à une école où on va se découvrir, se révéler soi-même et puis s'impliquer tout simplement dans cette transition qui doit avoir lieu. Comment on passe de l'école de la consommation à une école pour la vie? Et si on éduquait au respect de la vie à l'école, eh bien, je ne pense pas qu'en 40 ans, la moitié des espèces sauvages auraient disparu, comme c'est le cas actuellement.
Tout simplement parce que si on met l'accent sur l'inerte, sur la possession matérielle, au détriment même de la vie, eh ben c'est logique et normal que la vie s'effondre. Donc pour conclure sur cette vidéo, eh bien, ne pas oublier, 120 000 euros si vous avez passé le bac, prenez conscience de cette valeur. Et ensuite, c'est un investissement pour l'avenir. Mais comment est-ce qu'on investit? Comment est-ce qu'on éduque le jeune? Et pas seulement comment on l'instruit, qu'est-ce qu'on lui fait faire? Comment on le responsabilise? Et toutes ces questions qui sont fondamentales pour transiter d'un modèle à un autre. Donc je serais ravi de lire vos avis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis, encore une fois, c'est un débat. Je respecterai vos avis. Si vous-même vous mettez en place des alternatives, eh bien avec plaisir pour échanger avec vous, je vous invite à nous envoyer un petit mail, à regarder ce qu'il y a dans la description pour qu'on puisse échanger sur ce que vous mettez en place et puis pourquoi pas, eh bien aller vous interviewer pour partager votre innovation éducative avec tout le monde. Voilà, d'ici là, eh bien je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.